Bienvenue à l'Église de Portail. Comment allez-vous ce matin? Bien, bienvenue à ce dernier message de la série Tribu. On a vu que l'Église locale est une tribu et notre tribu est unie par la conviction que tout a toujours rapport avec Jésus. Et si tu es d'accord, est-ce que je peux entendre un vrai Alléluia? Dans cette série Tribu, on a vu deviens, défends ta tribu, déploie ta tribu, déclare ta tribu. Et ce matin, c'est déstabilise ta tribu. Quand Pasteur Philippe me parlait en février, j'étais déstabilisé. Lorsqu'il m'a annoncé que c'était au mois de juillet, il y a quelques semaines, j'étais très, très déstabilisé. C'est un matin déstabilisant. Je réussis présentement à avoir une certaine contenance, mais vous savez, au-delà du collègue, Pasteur Philippe est mon adjoint, il est mon représentant, il est mon remplaçant. Avec toutes ses tâches à l'église, il s'occupe des cérémonies funérailles, mariage, consécration, suivi pour les membres, il s'en va en Haïti la semaine prochaine. C'est surtout un ami personnel. On habite dans le même quartier, on voyage ensemble, on fait le ministère ensemble, on s'entraîne ensemble. Et pour moi, c'est difficile parce que je perds plus qu'un collègue, un adjoint. Déjà, c'est pas facile à trouver pour une église comme la nôtre, mais je perds un ami. Donc, si quelqu'un ce matin qui est déstabilisé, ne vous en faites pas, je ne suis pas ici pour vous dire comment ne pas l'être, je suis déstabilisé. Nous sommes déstabilisés, sa femme est déstabilisée, tout le monde est déstabilisé. Mais une des choses qu'on apprend, c'est que quelquefois, la déstabilisation est nécessaire pour progresser. Vous savez, quand tes enfants commencent à faire du vélo, tu mets une petite roue. Mais à un moment donné, tu dois enlever la roue parce que ton enfant s'appuie sur la roue. Et lorsque tu enlèves la roue, pour ton enfant, tu es un grand méchant. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais en tant que père? Tu es en train de l'inciter à développer de nouveaux muscles et de nouvelles habiletés. Et je n'ai jamais vu un gagnant du Tour de France ou des Jeux olympiques en cycliste avec une petite roue. Et je crois que présentement, Dieu, pour ma vie, m'enlève une petite roue. Je ne sois pas offusqué, tu es ma petite roue. Je sais que ça fait bizarre. Et Dieu a enlevé la petite roue de Gédéon. Et vous savez, le réflexe, lorsque ça arrive, lorsqu'on marche avec le Seigneur nous rend plus matures. Et un des signes de la maturité chrétienne, c'est d'avoir le bon réflexe. Le premier réflexe, quand tu es un croyant et que tu vis la déstabilisation, je ne parle pas simplement en tant qu'Église, il y a des gens dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, dans ta marche chrétienne, tu es déstabilisé, tu dois apprendre, et Dieu veut t'apprendre à développer le bon réflexe. Et le réflexe que j'ai développé en tant que croyant, non pas en tant que pasteur, en tant que croyant, lorsque je suis déstabilisé, j'ai le réflexe d'aller voir dans la parole de Dieu. Premier réflexe, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu as pour moi, pour nous? » Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous emmener avec moi dans le livre des Juges au 7e chapitre, à l'histoire de Gédéon qui, face aux Madianites, Dieu va le déstabiliser. Et je vous dis, en tant que pasteur, je suis déstabilisé. J'ai l'impression que cette année, en tant qu'homme, Dieu me déstabilise. Vous savez l'état de mon père qui lutte avec le cancer, qui est une période pas facile. Ma fille termine son secondaire, elle s'en va passer l'été en Colombie-Britannique. Pour un papa et une maman, c'est très déstabilisant. Je perds mon adjoint. Ce qui me déstabilise le plus, c'est que mon fils commence à se raser. La vie n'est pas facile. Je vous le dis, la vie, là, wow! Mais nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Et on va regarder brièvement ce matin, pour terminer cette série, qui en fait est un message particulier, vous l'avez compris. Il y aura un temps pour les honneurs, l'hommage. Mais regardez, quelle est la parole de Dieu pour le portail ce matin? Donc, on est dans le livre des Juges, 7e chapitre. Pour vous mettre en contexte, Gédéon est à la tête d'une tribu de 32 000 hommes. Il a devant lui les envahisseurs, les méchants, les Madianites, qui sont 135 000. Donc, imaginez, 32 000 contre 135 000. Et Dieu va défier, va déstabiliser la tribu de Gédéon contre toute logique. Et je crois que c'est en plein ce que Dieu fait encore avec nous ce matin. Donc, versets 1 à 2. Gédéon et toute sa troupe se levèrent de bon matin et dressèrent leur camp près de la source de Harod, qui veut dire la source ou le cours d'eau des tremblements, de la peur. Le camp de Madian est au nord du sien, depuis la colline de Morée jusque dans la vallée. Le Seigneur dit à Gédéon, écoutez bien, « Ta troupe est trop nombreuse pour que je lui livre Madian. Israël pourrait s'en vanter à mes dépens et dire, « C'est ma propre force qui m'a sauvé. »
OK, il y a une tribu qui est 4 fois moins nombreuse que l'ennemi. Et Dieu dit, non, 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 non. Je veux t'apprendre à t'appuyer totalement sur moi. Et la première leçon ce matin, qui est une leçon d'église, une leçon ministérielle, qui est une leçon pour nos vies, Dieu veut continuellement nous apprendre à ne pas nous appuyer sur nos propres forces. Je le répète, il y a des gens ici, tu as besoin d'apprendre. Si tu veux suivre Jésus, il va t'apprendre à ne pas t'appuyer sur tes propres forces, mais à dépendre de lui. Et l'être humain, on a tendance à s'appuyer sur nos dons, sur nos forces, sur les gens autour de nous. Et alors que je me préparais, un commentateur par rapport à ce verset va dire, « Il y a souvent des moments où Dieu nous dépouille des choses ou des gens sur lesquels nous nous appuyons afin de nous amener à prendre conscience de notre faiblesse. Cela nous rend plus dépendants de lui et nous fournit un plus grand potentiel pour le glorifier. » Dis un vrai « Amen » s'il te plaît. En tant que pasteur, je me dis, « Seigneur, nous sommes une église de 1300, 1400, 1500. » Il y a 2 millions de personnes sur la rive nord de Montréal. Nous avons une équipe. Nous sommes dans une zone de confort. Nous avons une zone d'efficacité. Vous savez, dans les équipes ministérielles, Pasteur Philippe et moi, là, ça ne travaille pas à peu près. On est complémentaires. Souvent, on n'a pas besoin de se parler. L'équipe pastorale, on est vraiment dans une zone de confort et d'efficacité. Et le premier réflexe, c'est « Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais ça? » Ça allait bien. On a des projets. On va aller de l'avant. Et c'est probablement la question que Gédéon a dit. Gédéon, Seigneur, on est 32 000 et tu trouves qu'on est trop nombreux, tu veux nous affaiblir. Et humainement, moi, pastoralement, je dis de perdre pasteur Philippe, je me considère affaibli. Mais Dieu nous apprend que le succès de notre Église ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas de moi, mais dépend de Jésus-Christ. C'est son Église. Il apprend à Gédéon à s'appuyer sur lui parce que nous avons tendance à s'appuyer sur nos propres forces. Écoute-moi bien. Tu ne peux te pardonner par tes propres forces. Tu ne peux te sauver par tes propres forces. Tu ne peux te libérer par tes propres forces. Tu ne peux progresser par tes propres forces. Tu ne peux te sanctifier par tes propres forces. Et on ne peut diriger une église par ses propres forces. Et Dieu veut nous l'apprendre. Pourquoi? Parce que quand Dieu va bénir, on va lui donner toute la gloire. Personne ne peut dire « c'est à cause d'une équipe, c'est à cause de votre potentiel, c'est à cause de vos dons ». Ça fait penser à cette histoire d'une petite souris qui court dans la savane à côté d'un éléphant. Puis la petite souris, elle court, elle court, elle court. Et à un moment donné, elle dit à l'éléphant, elle dit « regarde toute la poussière qu'on fait remonter ». Puis souvent, l'être humain est comme ça, c'est comme « regarde Seigneur tout ce qu'on fait ». Puis Dieu dit « tu fais rien, c'est moi qui fais tout ». Et moi, je dis « je puis tout par celui qui me fortifie ». Et Dieu apprend à Gédéon, encore une fois, veut continuellement nous apprendre à ne pas nous appuyer sur nos propres forces. Puis je vais même aller plus loin. Moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais dans une église, puis j'avais des gens. Puis à un moment donné, Dieu me montrait, si les gens autour de toi ne servent plus le Seigneur, est-ce que toi, tu vas continuer à servir le Seigneur? Et ça a été une des premières leçons spirituelles que j'ai apprises. Dieu m'a appris que je devais m'appuyer sur lui seul. La tribu est trop nombreuse, oui, OK. Maintenant, regardez, Dieu veut nous apprendre à marcher par la foi. Il apprend au De La Fuente, après des années de vie chrétienne, encore une fois, à marcher par la foi. Il continue de nous apprendre à marcher par la foi. Et quelqu'un a dit, la foi, c'est comme une brosse à dents. Chacun doit en avoir une, doit la mettre en pratique quotidiennement, et tu ne peux pas utiliser celle d'un autre. OK, je sais que c'est profond pour certaines personnes. C'est comme, oh, c'est trop... Pasteur Guétan, trop de théologie ce matin. As-tu ta foi? Chacun a besoin de la foi. Tu as besoin d'une brosse à dents. Tu as besoin d'appliquer ta foi à tous les jours. Et tu ne peux pas marcher par la foi des autres. Tu ne peux pas marcher par la foi des autres. Tu dois marcher par la foi. Et Dieu l'apprend à Gédéon. Et regardez maintenant, verset 3. Maintenant, proclame ceci en présence de la troupe, je te prie. Que celui qui a peur et tremble reparte, qu'il s'en aille de la région montagneuse de Galaad. 22 000 hommes parmi la troupe repartirent, il en restait 10 000. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte-là, il y a de mauvaises raisons pour quitter. Il y a de mauvaises raisons pour quitter. Et j'ai reçu un texto et je veux te le partager, d'un jeune homme. Urgent, si ça t'intéresse. Quelqu'un, j'ai acheté des billets pour la finale de la Coupe Stanley, mais je n'avais pas remarqué que ça tombe la même journée que mon mariage. Donc, si quelqu'un veut y aller, à ma place. C'est à la Basilique Notre-Dame à Montréal à 12h30, la fille se nomme Monica. Tout est payé, il reste juste à y aller et se marier.
Ça, c'est une mauvaise raison. Et vous savez, en tant que pasteur, je vois des gens qui quittent pour de mauvaises raisons. Il y a de mauvaises raisons de quitter un emploi. Quelquefois, il y a de mauvaises raisons de quitter un mariage. De mauvaises raisons de quitter un engagement. Et oui, il y a de mauvaises raisons de quitter une église. Et souvent, rappelez-vous ceci, je vais le lire parce que c'est trop bon. C'est tellement bon que je ne le trouve plus. OK, oui, c'est bon. Ben, finalement, c'est pas si bon que ça, mais quand même, OK? Quitter pour de mauvaises raisons n'est jamais une bonne décision. Ça veut dire, c'est quoi? Oui, oui. Il faut réaliser, Dieu regarde à notre cœur, regarde aux motifs. Et on voit ici, 22 000 personnes ont quitté pour les mauvaises raisons. Parce qu'ils avaient peur. Et là, je pourrais rentrer là-dedans, mais les motifs du cœur. Et ces gens-là quittent pour les mauvaises raisons. Vous savez, il y avait une mesure de grâce dans la Bible, Deutéronome 20, qui disait, « Lorsque vous allez à la guerre, okay, le général demande au général de faire le tour de l'armée et regarde les hommes qui ont peur. Et ceux qui ont peur, dis-leur, « OK, va-t'en chez vous. » Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui se propagent très, très rapidement. La peur ou la foi. Et encore une fois, dans ce contexte-là, Dieu dit, des gens, quelquefois, c'est mieux qu'ils partent parce qu'ils sont une mauvaise influence. Maintenant, avec Pasteur Philippe, ce qui me réjouit, et pourquoi, malgré la tristesse et la peine, pourquoi est-ce que je me réjouis? C'est parce que la famille de La Fuente le fait pour de bonnes raisons. Il y a de mauvaises raisons pour quitter, mais il y a de bonnes raisons pour quitter. Et on le voit ici, versets 4 à 6. Le Seigneur dit à Gédéon, « La troupe est encore trop nombreuse. » Moi, bon Québécois, j'aurais répondu, « Come on. » On est 35 000, là. On en perd 10 000. Puis Dieu dit, « Non, 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 vous êtes trop fort encore. » C'est comme lorsqu'on était petit, on jouait au hockey dans la rue, puis quelquefois, il y avait une équipe de petits contre une équipe de grands. Puis là, les grands disaient, puis là, on voulait qu'on échange deux petits contre un grand, puis les grands disaient, « Non, 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 mais on vous donne 10 buts d'avance. » Puis Dieu, c'est comme si Dieu dit, non, non, on met les petits d'un bord, on met les grands d'un bord, mais on donne 20 points d'avance aux grands, puis les petits, vous allez jouer à 3, puis les grands à 5. Complètement illogique. Mais la foi n'est pas logique. Encore une fois, lorsque Dieu fait le miracle, toute la gloire lui revient. Parce que si tu peux l'expliquer humainement, tu n'as pas besoin de Dieu. Et il y a de bonnes raisons pour quitter. Et voici ce que le texte dit. Le Seigneur dit à Gédéon, la troupe est encore trop nombreuse, fais-les descendre vers l'eau, et là j'en ferai le tri pour toi. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, bien, il ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit donc descendre la troupe vers l'eau. Le Seigneur dit alors à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le chien, place-les à part, de même tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains feront nombre de 300 hommes. Imaginez, là, sur 35 000, 300 hommes. Tout le reste de la troupe se mit à genoux pour boire de l'eau. Deux choses que je vois là-dedans. Quand je dis qu'il y a de bonnes raisons pour quitter, pour moi, la seule bonne raison pour quitter, ce n'est pas parce qu'on choisit une autre opportunité ou on choisit une autre église, c'est parce que Dieu nous choisit pour une autre opportunité ou Dieu nous choisit pour une église. Je ne veux pas être naïf, mais je crois sincèrement que l'Église de Jésus-Christ, c'est quelque chose de trop spirituel pour magasiner des églises et s'asseoir à l'endroit où on m'offre un meilleur service. Je pense qu'on est dans, on doit choisir une église parce que Dieu nous appelle dans cette église. Dieu nous donne des dons, Dieu nous choisit pour cette église. Et dans une génération où je vois plusieurs personnes, même des pasteurs, choisir dans l'Église de Jésus, j'aime mieux laisser Jésus choisir une église pour moi. Ici, je suis au portail aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'était la meilleure offre sur la table, c'est parce que Dieu m'appelle au portail. Ici, les De La Fuente retournent en Suisse, c'est parce que Dieu les appelle en Suisse. Vous savez, moi, j'aurais aimé, moi, là, je suis quelqu'un de stable, je suis reconnaissant pour notre équipe pastorale, notre équipe de direction, également les diacres, une équipe très stable, ça va faire bientôt 9 ans qu'on est ici, la famille Brassard, et une équipe très, très stable. On a eu, quelquefois, on a remplacé des gens, mais le noyau reste là. Et moi, j'aime penser que je vais vieillir avec mon équipe, que je m'imaginais avec Pasteur Philippe, là, pour être retraité ensemble, puis aller au Dunkin' Donuts, au Tim Hortons, puis prendre un café, lire le journal, faire des mots croisés, puis parler avec les autres. Mais Dieu nous dit, vous n'êtes pas les retraités du Seigneur, vous êtes dans l'armée du Seigneur.
Quand tu rentres dans l'armée, tu vas où on dit d'aller. Puis s'il y a des jeunes qui sont ici, tu dis, moi, j'ai l'appel de Dieu sur ma vie, réalise le coup. Dès l'instant où tu entres dans le ministère, c'est une déclaration que ta volonté soit faite et non la mienne. Ici, on voit une des bonnes raisons, encore une fois, pour quitter, c'est par appel. Et Dieu va marcher de manière arbitraire pour distinguer ceux qui doivent continuer à lutter contre Madian. Dieu va donner la victoire à la tribu de Gédéon. Mais en même temps, il y a des gens que Dieu va dire, retournez chez vous, j'ai un autre combat pour vous. Et est-ce que vous voyez la différence dans les lapeurs? Vous avez compris, les lapeurs, là, c'est ceux qui lapent. Vous avez compris? Okay, j'utilise des mots compliqués ce matin, mais restez avec moi. C'est quoi la différence entre les deux groupes? Vous n'avez pas l'air de le savoir. Je vais l'illustrer. J'aurais besoin de quelqu'un qui va venir laper comme un chien, comme la parole de Dieu nous le dit. Quelqu'un qui va aller en Suisse prochainement, je ne sais pas. Pasteur Phil? OK. Il y a deux groupes. Et là, on ne comprend pas, puis c'est arbitraire encore une fois. C'est pas que Dieu a juste un appel. Maintenant, Dieu disait à Gédéon, ceux qui vont s'agenouiller et laper comme les chiens, eux, j'ai un autre appel pour eux. Ça, c'est toi. Bon. Tu as beaucoup soif, tu peux boire plus. Non, ça va, tu es rassasié. Et la gang de Gédéon, encore une fois, simplement, ils vont boire différemment, ils vont simplement boire comme ça. C'est quoi la différence? C'est simplement qu'il y a 300 qui sont sur le qui-vive, qui sentent que Dieu les appelle encore dans ce combat. Et c'est la différence. La bonne raison, c'est quand tu as l'impression, lorsque tu es dans un endroit et tu anticipes de grandes choses et tu crois que Dieu bâtit son Église et qu'il veut se servir de toi pour bénir l'Église, pour faire l'œuvre de Dieu, tu es sur le qui-vive et c'est là que tu sais que tu es au bon endroit. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Merci. La réalité, on en arrive au dernier point, versets 7 à 8. Le Seigneur dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, ceux qui sont sur le qui-vive. C'est par eux que je te livrerai Madian, que tout le reste de la troupe s'en aille chacun chez soi. » Donc, retournez à la maison. Dieu a un autre combat, d'autres batailles, d'autres appels pour eux. Mais il dit à Gédéon, « Pour ce moment, voici ceux qui sont sur le qui-vive. » Ils prirent les provisions que la troupe avait en main, ainsi que leurs trompettes, puis ils renvoyaient tous les hommes d'Israël dans leur tente, ne retenant que les 300 hommes. Voici, dans tout ce que, dans cette période de discussion, de réflexion, de prière pour l'avenir, la parole qui est sur mon cœur, c'est que Dieu est présentement en train de nous préparer pour la prochaine grande victoire du portail. J'ai mentionné lors du 40e que, encore une fois dans mon cœur, ce 40e n'est pas le couronnement du passé, mais le fondement de l'avenir. Et j'ai vraiment, et moi en tant que pasteur, je ne sais pas combien de temps que Dieu va me laisser au portail, mais en date d'aujourd'hui, je regarde, puis si Dieu, tant que Dieu me dit, tu restes là, moi là, je vise les 25 prochaines années, là, il me reste 25 ans à peu près, grosso modo, là, puis comment faire en sorte que cette église soit une église d'impact, qui va encore être là dans 40 ans, qui va toujours suivre Jésus, qui va toujours amener des gens à Jésus, qui va toujours élever son nom, glorifier son nom, qui va former des disciples. Ça, là, présentement, dans la saison de ma vie, c'est là. Je suis sur le qui-vive pour les 25 prochaines années, si Dieu le permet. Dieu, présentement, est en train de nous préparer. Je sens vraiment que c'est la fin d'un cycle. Et même si c'est déstabilisant, en même temps, il y a plein de foi dans mon cœur parce que je sais que Dieu est fidèle. Vous savez, je pourrais ce matin vous présenter 10 jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont l'appel de Dieu sur leur vie, qui, je crois de tout mon cœur, qui dans une couple d'années, vont être des pasteurs, des missionnaires qui vont avoir un impact. Au portail, là. Alors que dans des églises, souvent, tu n'as même pas un pasteur. Nous, là, je peux vous nommer une dizaine de jeunes qui sont là, qui sont en train de pousser, qui se font former dans l'ombre, qui sont là. Et moi, j'ai plein d'espoir. Quand on regarde, on pourrait dire encore, Gédéon et sa troupe auraient pu parler de division, c'est-à-dire, on regarde à ceux qui ne sont plus avec nous. On peut regarder ce matin et dire, et de la Fuente, c'est une lourde perte. Mais en même temps, regardez ce que la Bible dit. Alors que les hommes regardent à une division, Dieu suscite une provision.
parenthèse, juste pour démontrer qu'on est vraiment, je crois, à l'aube d'une nouvelle ère. Dieu est en train de préparer le portail pour quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'ombre qui ne paraissent pas. On ne vient pas avec des fanfares. Mais je crois vraiment qu'une œuvre spirituelle est en train de se faire. Elle se fait depuis des années. Mais que Dieu nous prépare pour cette prochaine grande victoire du portail. Une conviction dans mon cœur. Et je veux vraiment m'atteler à travailler puis à susciter cette victoire-là au nom de Jésus. Et juste, on parle de provision, on parlait de quelque chose de très concret des finances. Il y a un an, à pareille date, j'étais devant vous, puis je l'ai mentionné rapidement, si c'est votre église, donnez-nous, soyez fidèles, généreux, parce qu'on vit des défis, puis juste vous dire un peu ce qui est en train de prendre place. Vous savez, une église comme la nôtre, on est très transparent au niveau des finances. Les finances sont gérées. Vous allez voir, je reviens, je fais une longue boucle, mais je suis vraiment dans le texte. Je parle de provision, je parle de nouveaux cycles. Ces finances sont gérées par des gens que vous avez élus, on est transparent. Tout ce que je mentionne, les chiffres, vous y avez accès. Une église comme la nôtre, pour faire l'œuvre de Jésus à chaque année, vous savez, c'est à peu près 1 million de dollars. C'est quoi 1 million? Ça passe où ce million-là? Bien, premièrement, les églises, la majorité de l'argent ne va pas dans un bâtiment, dans plein de choses, dans plein de trucs, ça va dans les gens, ça va dans... Il y a une quinzaine de personnes qui travaillent à l'église, c'est à peu près la moitié de ce montant-là pour payer. Il y a des pasteurs, il y a une équipe de soutien, des gens qui font l'entretien du bâtiment, toute l'équipe du portail qui fait en sorte que l'œuvre de Dieu avance jour après jour, des pasteurs disponibles pour vous, tout ça, là, c'est 50% des choses. Prendre soin de juste le bâtiment, d'avoir des gens qui sont là au niveau, juste le roulement, la comptabilité, la réception, tout ça, c'est la moitié de l'argent qui est recueilli en salaire. Continuez que l'œuvre de Dieu avance. On a 25% de ce million-là qui va pour la bâtisse. Vous savez, notre hypothèque, c'est 150 000 par année. On termine dans 6 ans. Est-ce que vous savez que ça nous coûte 60 000 d'Hydro-Québec par année? Toi, là, ça te coûte 230 puis tu trouves que ça coûte cher, là. Donc, pour comprendre là, ce million-là, 50% en salaire des services pour les gens, parce que les gens, c'est important, il y a une crise, il y a des gens qui sont là pour vous. 25%, là, c'est vraiment, je vulgarise, 25% le bâtiment. Et on met aussi, on met Terrebonne aussi là-dedans, l'œuvre de Dieu qui continue là-bas. On a un 15% qui peut aller au niveau social, technique, bureau, tout ce qui vient autour. Et on a un 10% qu'on donne aussi pour notre mouvement d'église, pour la formation de jeunes ouvriers, ITF, tout ça. Donc, je reviens à mon histoire. L'année passée, donc, faites le calcul, pour réussir à garder l'église ouverte, c'est à peu près 20 000 par semaine. OK? L'année dernière, on était, à chaque semaine, on était 1 000, 2 000, 3 000 en retard. Puis là, on se ramassait qu'on avait 10 000, 15 000 de retard sur notre budget. Ça devenait exponentiel, on l'a mentionné. Puis après ça, on en a pu parler. En novembre, on est là, on regarde pour embaucher un pasteur de jeunesse. On n'a pas l'argent. On est 10-15 000 dans le trou, on a de l'arriérage. Ce n'est pas catastrophique, c'est juste qu'à chaque semaine, quand tu as 1 000, 2 000 de moins, à un moment donné, ça s'accumule. Et là, on est là avec nos diacres. Et là, on doit embaucher un pasteur de jeunesse, mais on n'a pas l'argent. Et là, on a un débat. Un débat assez chaud à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et là, il y a un diacre qui dit « Oui, mais ça, ce n'est pas nous le portail. On ne peut pas négliger nos jeunes, il faut qu'on le fasse. » Puis il y a des gens qui disent « Oui, mais ce n'est pas sage parce qu'il faut qu'on attende d'avoir l'argent avant de l'embaucher, tout ça. » Et finalement, les diacres, le conseil d'administration a pris une décision. On va mettre Dieu à l'épreuve. Si nous sommes une église familiale, on ne peut pas ne pas investir dans nos jeunes, on va faire un pas de foi, on va l'embaucher puis on croit que Dieu va pouvoir. Ça, c'est une décision qu'on n'a pas criée sur les toits, on l'a prise en novembre. Depuis ce temps-là, un renversement phénoménal dans nos finances. De semaine en semaine, on fait notre budget, on ne roule pas sur l'or, mais on couvre notre budget, on est capable de... Puis Dieu nous a démontré qu'il honorait la foi. Lorsque tu investis dans des jeunes, dans l'Église de Jésus-Christ, Dieu bénit. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et je veux juste vous expliquer encore une fois, je reviens avec Gédéon, là encore une fois, quand la vision de Dieu, la provision est là, il y a quelques années, on a décidé de rebâtir notre ministère de jeunes, on s'est concentré sur nos ados. La semaine dernière, ils étaient 65 ados seulement, là, juste des jeunes secondaires. Et déjà, depuis quelques mois, on a une équipe de jeunes adultes qui travaille pour relancer notre ministère de jeunes adultes pour les jeunes de cégep, université, en septembre. Donc, il y a quelque chose qui prend place. Et quand je regarde à l'avenir, on voit notre jeunesse. Je vous le dis, là,
Ils vont déplacer de l'air, des choses qui s'en viennent. Amen. Option Rive-Nord, on a cette année, en début d'année avec l'éveil, on a décidé, on s'est dit, nous devons être plus actifs au niveau de l'action communautaire. On le fait avec les Syriens. Option Rive-Nord va entrer dans une phase de, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de réflexion. On réalise qu'on nourrit à peu près une centaine d'enfants dans différentes écoles de Laval, mais on va être beaucoup plus, on veut avoir un plus grand impact peut-être dans le quartier autour, parce que présentement, on a l'impression qu'on se dilue un peu. Donc, il y a une période de réévaluation quand je parle de déstabilisation et de revenir en force. Donc, option Rive-Nord, là aussi, il va y avoir des changements parce qu'on croit qu'avec ce ministère-là, on peut avoir un plus grand impact. Donc, avec Hélène et son équipe, on réfléchit et on est tellement sérieux en passant. Il y a une réunion qui va avoir lieu, écoutez bien ça, le mardi 21 juin à 19h. Pour tous ceux ici, vous êtes intéressés par les œuvres sociales communautaires, vous avez quelque chose à dire, vous avez des idées, on veut faire juste une grande réunion, on va brainstormer ensemble. Une réunion de remue-ménage. Donc, si vous avez à cœur, c'est ouvert à tous, justement parce qu'on est en train de mettre les bases de notre futur ministère d'action sociale et des choses qu'on fait, mais on veut aller tellement plus loin, on veut tellement faire plus, on croit qu'on doit prêcher l'Évangile, mais on veut également agir, aimer et servir au nom de Jésus. Donc, si vous vous sentez interpellé, c'est quelque chose qui va prendre place le mardi 21 juin à 19h. Et dans toute notre saison, ce que j'essaie de vous dire, si vous avez une date que vous devez encercler dans votre calendrier, c'est le dimanche 11 septembre 2016. C'est facile à retenir, le 11 septembre. OK, on est vraiment concept, là. Ou, après plusieurs années, comme je le mentionnais, moi, ça fait 9 ans, je suis ici, bientôt, où il y a plusieurs choses qu'on a façonnées à l'Église, mais on les a façonnées pour une raison. On veut vous présenter le 11 septembre, et on entre dans une période d'équipe pastorale et des diacres, période de prière, de réflexion, de discussion sur la vision, le futur de notre Église, et on aimerait vous présenter ça. Déjà, je le mentionne, on va travailler là-dessus tout l'été, mais le 11 septembre, on veut vous présenter vraiment ce que va devenir le portail. Donc, si cette église est votre église, et encerclez ça dans votre calendrier, vous devez être là le 11 septembre 2016. Cela étant dit, à court terme, avec l'annonce qui a été faite ce matin, c'est quoi les annonces? Et le 11 septembre, on pourra vous présenter justement, c'est quoi le plan là? Avec, on va se réadapter, ça va être quoi les solutions? On va vous présenter ça en temps et lieu. Pour l'instant, on veut juste vivre le départ de Pasteur Phil, on veut les bénir. Les dates importantes. La semaine prochaine, c'est la fête des Pères, c'est le dernier message régulier de Pasteur Philippe. Donc, soyez là, invitez des amis. Encore une fois, c'est la fête des Pères. Il va apporter un message, donc c'est une réunion régulière la semaine prochaine. Le 25 juin, Pasteur Philippe est en Haïti. Ici même au portail, on va avoir notre pasteur de Terrebonne, Pasteur Max, qui va apporter la parole. Et le 3 juillet, c'est le dernier dimanche de la famille de la Fuente avec nous. Donc, ça va être un dimanche vraiment où on va leur céder la parole, on veut les honorer. Donc, le 3 juillet, inscrivez cette date encore une fois à votre agenda. Et ensuite, pour les 3 semaines qui vont suivre, on a 3 super prédicateurs qui vont venir au portail. On a Pasteur Marc Lecomte, Pasteur Denis Morissette et Pasteur Daniel Descaries. Donc, on va avoir un superbe été. Moi, je reviens le mois d'août, série estivale de foi. On entre en septembre, le couteau entre les dents, et on va voir la gloire de Dieu. Amen. Et assez parlé maintenant, je vais demander à l'équipe de louanges de venir me rejoindre. Ce qui est approprié ce matin, c'est d'aller dans la présence de Dieu, de le louer, de l'adorer. Et j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Qu'est-ce que le croyant sait que le non-croyant ne sait pas? Dans ce texte-là, qu'est-ce que Dieu a appris à Gédéon que les Madianites ne savaient pas? Lorsque nous, ce matin, on regarde à la parole de Dieu, qu'est-ce que toi qui es croyant sais que celui qui ne croit pas en Jésus ne sait pas? Quand on regarde humainement, on voit simplement la perte. On voit 300 hommes d'un côté et on voit 135 000 de l'autre. C'est illogique. Quand on regarde humainement au portail, on se dit, Pasteur Philippe, lourde perte, on peut regarder seulement à la perte ou on peut se confier dans une vérité que nous savons. Nous savons que 300 avec Dieu sera toujours plus fort que 135 000 sans Dieu. Et on sait qu'une église avec Jésus sera toujours plus puissante, croissante et bénissante que n'importe quel ministère sans Jésus. Quand on dit tout a toujours rapport avec Jésus,
L'arme secrète de notre Église, c'est Jésus. Celui qui fait grandir notre Église, c'est Jésus. Il y a des gens qui me disent, « Pasteur Gaétan, c'est quoi ton plan? » « Ah, moi, j'en ai des plans. » Mais ce matin, là, de savoir que votre pasteur principal a un plan, ça peut être rassurant. OK, je vous le dis, là, j'ai un bon plan. Mais ce qui nous garde dans la joie et dans la paix, c'est que Jésus a un plan pour nous. Et son plan est toujours meilleur que notre plan. Amen.